Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette que je vous propose, c'est comment faire la sauce guamoku. C'est la deuxième façon de djumblé quoi. Ça c'est pas djumblé, djumblé, c'est guamoku. On pense ça va plus saigner, on y va. Ici pour commencer la recette, dans une cocotte, j'ai rajouté de l'huile rouge. Que je vais laisser fondre. Là, j'ai haché oignon et tomates. Je vais rajouter dans l'huile chaude. On va laisser frire pendant 5 minutes. Après, je rajoute la quantité d'eau suffisante pour ma sauce. Ah, ce sont mes poissons secs que j'ai cassés. Poisson et crevettes concassées. J'ai pas totalement pilé. Hein. J'ai pilé, mais c'est pas trop propre. Vous voyez sur l'image, non? Un peu de poudre de soumara et fefe mungu. Piment. Le sel. Et mon bouillon d'assaisonnement bio. Ça remplace les cubes d'assaisonnement industriel, en quelque sorte. Couvrir et laisser bien bouillir. Quand ça bouille, oh, quand ça boue comme ça là, je vais retirer mes piments, mes ingrédients qui sont dedans là. Quand c'est bien cuit là, hein. Je vais rajouter la poudre de pomogou. Ensuite, je rajoute mes poissons. Piment là, c'est trop fort. Le parfum, même déjà, même l'odeur là. Je vais casser légèrement comme ça pour ne pas que la narine puisse chauffer. On va laisser la sauce la mijoter pendant 15 à 20 minutes. Et puis, on va descendre la sauce. Sincèrement, dis-moi, je vais accompagner ça avec le cabato. Il y a plusieurs recettes de cabato là-bas, donc je ne vais pas venir répéter ici encore. Voici mon cabato qui est prêt. Je rajoute ma sauce de pomoukou. Et là, voici le résultat de mon plat. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. On se dira bye bye. Excusez-moi, j'habite au bord de... À chaque fois, je répète, raison pour laquelle il y a assez de bruit comme ça. On va faire le 1, 2, 3, puis go. Il y a trop de bouillon là même là. Trop du tien.
On peut s'asseoir pour finir de manger comme ça. Toi aussi, tu me regardes. C'est ça. Concernant mes produits, voici mes produits qui sont là. Vous avez le mini pack. Le mini pack est composé de d'une boîte de 200 ml bouillon d'assaisonnement et tout le reste, c'est à boire de 100 ml. Barbecue, cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson. Et le pack normal, les sachets sont de 200 grammes. Voilà. Bouillon d'assaisonnement, la grosse boîte là est de 500 grammes. Vous avez un petit sachet de piment aussi. Ça, c'est pour le pack normal. Pas pour le mini pack. Le pack normal est composé de cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson et barbecue. C'est 200 grammes par sachet. Et la grosse boîte du bouillon d'assaisonnement, c'est de 500 grammes par boîte. Donc, concernant les épices, vous aurez tous les détails en premier commentaire qui sera épinglé. Pour tous ceux qui sont intéressés, les détails sont en premier commentaire qui sera épinglé. J'ai deux représentantes en Côte d'Ivoire. Elles gèrent l'Afrique. Il y a une de gros et puis il y a une de détail. Si tu es, en tout cas, en Occident, là, moi, je gère pour ici. Moi, je gère pour ici. Tout ce qui est ici, là, moi, je gère. Et là-bas, que tu sois au Congo, en Tunisie, en tout cas, Gabon, elle livre partout. Elle livre partout. Burkina, Bénin, Togo, Mali, en tout cas, elle livre partout. Elle expédie partout, du moins.